Bonjour à tous, salut Sony. Salut Max, on est de retour pour une recette salée. Salée. Qu'est-ce que tu vas nous concocter comme recette très aujourd'hui? En forme toi. Hein, écoute, on fait une petite recette qui nous vient du Liban, en tout cas de la région en tout cas. C'est le fameux taboulé. Taboulé, et oui, on ne l'a pas encore fait sur la chaîne. Non, c'est étonnant, non, voilà. Étonnant. C'est vrai que c'est une recette, on va dire, un peu plus estivale. Mais vu que les températures sont très agréables actuellement, on est encore dans des températures estivales. Ouais, mais c'est aussi à la fois une entrée et un plat. Une entrée, voilà. Un plat, donc il n'y a pas de souci. C'est vrai que on en mange toute l'année, honnêtement. On est tranquille. Taboulé. Alors, au niveau des ingrédients, qu'est-ce qu'il nous fallait? Alors, deux belles tomates, un oignon blanc, un petit peu de menthe, un petit peu de persil, 150 grammes. Alors ça, c'est, il faut faire la différence entre semoule et couscous. Hein. Donc, il faudra acheter du couscous. Ah d'accord, j'allais te dire, c'est plutôt de la semoule. La semoule, en fait, c'est brut, c'est pas travaillé, tu vois. D'accord. Alors, si vous allez dans un magasin, il faut bien lire, tu sais, sur l'emballage, ouais, tout à fait. Couscous. D'accord. Voilà, parce qu'il est déjà travaillé. On va juste le faire gonfler dans de l'eau chaude, tout simplement. Du sel, du poivre, un demi concombre, de l'huile d'olive, évidemment, un demi citron. Un demi citron, facultatif, un petit peu de raisin. Voilà, il y en a qui aiment bien, parce que le taboulé, voilà, tu vas le trouver avec ou sans raisin. Voilà, ceux qui aiment un petit peu le côté salé sucré, voilà, ça reste facultatif. De l'eau chaude pour faire gonfler notre couscous. Donc, ça équivaut à peu près la même chose. Hein. Il y a 150 millilitres. Hein. Allez, ok. Donc, ça va être relativement rapide, j'imagine. Rapide, disons que dans un premier temps, il faudra laisser notre couscous gonfler. Donc, ce qu'on va faire. Donc, ça, c'est la première étape. On va verser tout simplement l'eau chaude. Donc, on va laisser quelques minutes le temps qu'il gonfle. Au moins un quart d'heure. Ah, quand même, ok. Donc on le laisse gonfler. Pendant ce temps-là, on continue la préparation. Oui, ce qu'on va faire, on va détailler les légumes. On va mettre de côté. Oui, tout à fait. Allez, c'est parti. On va commencer avec notre concombre. Donc on va le couper en rondelles pour commencer. Ensuite, on va le détailler en petits carrés. Tu vois, comme ça. Et on va passer à la tomate. Pareil, hein, donc ce sera, on va la couper en dés. Allez, on va continuer avec le persil et la menthe. Ça, c'est bon, ça. C'est excellent. Ça, c'est vraiment des... C'est quasi obligatoire. Beaucoup d'arômes et beaucoup de parfums et de goût. C'est agréable. Hein. Mmh. Surtout le mélange des deux, là, la menthe et la... Et le persil. Et le persil, ça fait du bien. Hein. Et on finit avec l'oignon. Donc l'oignon haché alors. Oui. Et on précise que c'est l'oignon blanc. Blanc pour de préférence, ouais. Ouais, parce que il est plus adapté pour tout ce qui est salade, tout ça, donc tout ce qui est frais. Ouais, il a un côté fraîcheur. Il est plus léger, on va dire. Plus agréable. Moins violent en bouche. C'est vrai que l'oignon, l'autre oignon, c'est plutôt pour la cuisson. La cuisson, ouais, là non. Là pour les salades, c'est parfaitement adapté. On va tout mélanger. Donc là, on a quasiment fini. Hein. Oui, on va juste voir la semoule. Alors, on prend juste une fourchette. Tu vois, on va tout simplement gratter comme ça, tu vois. Donc là, c'est une façon de savoir si le... Non, c'est déjà pour, dans un premier temps, l'aérer. Ah d'accord, je croyais que c'était juste pour savoir si c'était... on avait fini l'opération ou pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va continuer à s'hydrater avec le jus en fait de la tomate. D'accord. Donc, voilà, il ne faut pas non plus trop l'imbiber. Hein. D'accord. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout mélanger.
le jus de citron. On va saler. Poivrer. On va ajouter également l'huile d'olive. Bonne cuillère à soupe. Voilà, donc pour ceux qui le souhaitent, on peut également rajouter des petits raisins secs. Voilà, on va encore mélanger une dernière fois. Donc tu sais que c'est une salade qui se mange froide. Froide. Absolument. Donc ce qu'on va faire, on va la laisser à peu près 2-3 heures. Ah ouais, quand même. 2-3 heures, voilà, avant de la servir, parce que pourquoi elle va, la graine va bien s'imprégner, tu sais, de toutes les saveurs, du jus de tomate. Donc à ce moment-là, elle sera prête à être dégustée. Ok, donc tu es en train de me dire que c'est pas pour tout de suite. Là, la recette est terminée. Oui, voilà, mais moi, il va falloir que je prenne mon mal en patience. Ah, écoute, hein. Bon, bah écoute, je vais me faire un sandwich en attendant. On vous met la liste des sandwichs de la chaîne. En attendant, bah merci Max pour ce taboulé express. Merci à toi. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à liker, à partager, à nous laisser un petit commentaire. Ça nous fait toujours plaisir. On vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette sucrée. À très très vite. À bientôt, à plus. Ciao.